Bienvenue dans, ce, dans cette seconde partie de notre euh, vidéo sur les tableaux de Carnot. Donc pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, je vous suggère de commencer donc par la partie 1 qui rentre, euh, donc, qui nous introduit tout de suite des diagrammes de Carnot. Donc dans cette deuxième section, on va commencer donc par cet exemple euh, ici. Donc on était ici. On avait achevé la dernière vidéo sur euh, cet acétate, donc si je regarde ici j'ai un exemple qui me demande de dessiner le diagramme de Carnot de la SDP standard suivante Donc j'ai A bar B bar C ou A bar B C bar ou A B C bar ou A B C, bar, A B C. donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente donc la première chose on doit faire, c'est trouver d'abord les codes qui nous permettent de, de, euh, de dire que cette SDP est égale à 1. Donc, pour ce faire, il faudrait que je trouve chaque code qui va correspondre à chaque terme de ma SDP ici. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce que j'ai comme code Donc, on le voit bien. Si je regarde mon premier terme ici, donc j'ai le code 001. Ensuite, le deuxième terme, j'ai 010. Le troisième terme, ça va me donner 110. Et puis, le dernier terme, ça va être 11. 1. Donc, une fois que j'ai ces codes-là, je vais tout simplement remplir mon tableau de carnot. Donc, mon tableau de carnot, ici, j'ai trois variables. Donc, je vais me retrouver avec un tableau de carnot à 8 combinaison ou bien huit cases. Donc si on regarde la correction de l'exercice ici, j'ai mon tableau de carnot, vous l'avez bien reconnu. Donc ensuite, j'ai donc des 1 qui sont placés dans chaque carré qui correspondent à des. qui correspondent à des codes donc, qui font que chaque terme soit égal à 1. Donc, si je regarde le premier terme ici, donc j'ai bien mon code ici, le premier terme ici, j'ai 001, qui est le premier code qu'on a vu. Donc, je vais placer un 1 à la case qui correspond à 001. Donc, je vais faire la même chose ici pour a égale à 0, donc a égale à 0, b est égal à 1, b est égal à 1, et puis c est égal à 0, c est égal à 0, donc je vais placer un 1 ici. Donc, je vais faire la même chose pour ce code ici, où je vois bien c'est 1, 1, 0. Donc, j'ai 1. Du moins, pour moi, 1, 1, 0. Donc, je suis ici, 1, 1, 0. Donc, je place mon 1 ici. Et puis, cette case ici, j'ai 1, 1, 1. Donc, j'ai 1, 1. A égale à 1. B égale à 1. Et puis, C égale à 1. Donc, je vais placer mon 1 sur cette case ici. -là. Donc, je vous suggère de faire cet exemple euh, connexe ici et euh, on prendra le temps de le corriger ensemble un peu plus tard. Donc, si on regarde notre deuxième exemple ici, donc on s'aperçoit tout de suite qu'on a une expression qui comporte quatre termes. Donc, mon tableau de carnot ici va avoir 16 cases. Donc 2 exposant 4, ça me donne 16. Je vais avoir 16 cases ici. Donc le principe, il est le même. Je vais trouver des codes qui vont faire en sorte que chaque terme soit égal à 1 ici. Donc si on le répète ensemble, si on le fait ensemble rapidement ici, je vais avoir 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0, 1 et puis 1 0 1 0 donc vous aurez compris de toute façon et ça va être toujours ça changera jamais vous aurez compris que quand j'ai des, des termes de j'ai des termes de produits ici là donc j'ai des termes qui constituent une SDP ici donc à chaque fois que je vais avoir une barre un terme complémenté, donc la valeur va est toujours égale à 0. Là. Ok, vous allez vous rendre compte que quand on va parler des de PDS, ça va être le contraire. Mais à chaque fois que j'ai un terme de produit ici, là, si je veux qu'il soit égal à 1, à chaque fois que je vais avoir un terme complémenté, donc avec des barres, la valeur va est toujours égale à 0. Et si je n'ai pas de complément ici, la valeur est égale à 1, c'est pour ça que j'ai 0, 0, 1, 1 ici. Donc si on quitte le mode, je vais juste. Le mode. Quand euh bah, cela ne tienne, je peux pas le quitter parce que je suis en mode enregistrement. Mais ce que vous pouvez faire, comme je vous ai montré en classe, c'est cliquer dessus, bouton droit, et puis vous avez rogné ici, vous allez voir la solution à votre problème. Donc, au cours, on pourrait en discuter. Donc, je vous suggère d'ailleurs de, de le faire à titre d'exercice avant de regarder la réponse. C'était. Ça, c'était en fait, comment est-ce qu'on fait pour remplir un tableau de carnot? Donc maintenant, une fois on l'a rempli, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben en fait, il nous reste encore à pouvoir regrouper en fait les 1. On va regrouper les 1, et puis à la sortie de ces regroupements-là, on va pouvoir sortir nos équations simplifiées, en fait, nos termes simplifiés. Donc. Ce processus il va se passer selon les quatre règles qui sont ici. Donc la première règle, de toute façon, vous n'avez pas retenu ça par cœur, vous allez voir, ça va, ça va vous revenir assez naturellement là. Donc la première règle dit que un groupe peut contenir, donc on a bien dit ici qu'il qu était question de faire des groupements de 1. Donc là j'ai rempli mon tableau avec plusieurs 1, maintenant il faut que je les regroupe ensemble pour pouvoir simplifier. Donc un groupe peut contenir 1, 2, 4, 8 ou 16 carrés. Donc si je veux regrouper, je peux regrouper un carré, je peux regrouper 2, je peux regrouper 4, je peux regrouper 8 ou je peux regrouper 16. Donc on s'entend ici parce que nous on fait juste des tableaux de carnot qui vont jusqu'à 4 variables. Donc j'ai 16 carrés au maximum. Donc dans le cas d'un diagramme de carnot à 3 variables, le plus grand groupe possible compte 8 carrés. Donc effectivement, vous aurez compris, hein, toujours la fameuse règle de l'exposant 3 qui donne 8. Donc je peux regrouper un maximum de 8 carrés. Donc c'est assez exceptionnel, mais ça peut arriver. Donc la règle numéro 2, chaque carré d'un groupe doit être adjacent à au moins un autre carré du même groupe. Même si tous les carrés du groupe n'ont pas à être contigus l'un par rapport à l'autre. Donc ça paraît assez ambigu. Mais quand on va... Euh, Faire un exercice, vous allez le voir, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, règle numéro 3, on va garder ça comme ça. Règle numéro 3, toujours inclure le plus grand nombre possible de 1 dans un groupe, conformément à la règle 1. Donc, on va regrouper, mais le nombre de 1 qu'on va regrouper va être déterminé par la règle numéro 1. Donc, je peux juste regrouper des cases qui vont comporter 1, 1, 2, 1, 4, 1. 8-1 ou 16-1. C'est ce que cette règle a dit. La quatrième règle, chaque 1 du diagramme de Carnot doit être inclus dans au moins un groupe. Donc, il n'y a aucun 1 qui doit rester tout seul. Les 1 faisant déjà partie d'un groupe peuvent être inclus dans un autre groupe. Donc, si je fais mes regroupements et qu'il y a des 1 qui restent, mais je peux les inclure dans, dans un groupe, en fait, je peux les inclure. Dans un autre groupe pour pouvoir m'assurer de remplir la règle numéro 1. Ça semble assez, ça semble assez nébuleux comme ça, là, mais regardez, quand on va faire un exemple, vous allez voir encore une fois de plus, c'est très simple. Donc, si je vais à la citade suivante, donc ici, j'ai quatre tableaux de Carnot qui sont déjà remplis. Donc, vous savez déjà comment remplir donc, on suppose qu'on les a déjà remplis. Et là maintenant je suis donc à l'avant-dernière étape, donc l'étape de regrouper mes 1. Donc suivant les quatre règles qu'on vient de voir ici. Donc si donc si je regarde la réponse à cet exercice ici, donc comment est-ce que je vais faire mes regroupements Si je regarde ici, donc j'ai les façons de regrouper les choses ici. Donc, si je regarde mon premier tableau de Carnot ici, donc on a dit, c'est très important, il faut tout le temps, et c'est un réflexe que vous deviez avoir, il faut tout le temps que je m'assure que je peux aller chercher le maximum de 1 dans mes regroupements. Ça, c'est la première chose, ça va être le premier réflexe. Donc, c'est quoi le maximum de 1 que je peux regrouper? Donc, en tenant compte évidemment de la règle numéro 1 qui dit que. Si on revient à la règle numéro 1 qui dit que vous pouvez faire des groupes de 1, 2, 4, 8, 16. Donc, si je reviens à mon exemple ici, évidemment, le premier tableau de Carnot, c'est un tableau de Carnot avec trois variables. Donc, en fait, je peux aller jusqu'à 8. Mais là, si je regarde, évidemment, je ne peux pas faire un regroupement de 8, 1 parce que la règle numéro 2 dit qu'il faut que les cases soient adjacentes. Adjacente, ça veut dire qu'il faut que les cases se touchent. Se touchent. Okay. Donc, il faut qu'elle soit adjacente et en plus, il faut qu'il y, con... y ait une contiguïté. Donc, si je regarde dans cet exemple-là, évidemment, le maximum que je peux remplir et que je peux associer ici, c'est 2. Okay. Donc, je peux faire des regroupements. Le maximum que je peux commencer, c'est des groupes de 2. Donc, évidemment, je vais faire un groupe de 2 ici. On est d'accord Évidemment, comme on a dit, s'il y a un autre, je peux prendre. Ou un groupe de 1 qui est, appartient déjà à un regroupement, si c'est pour compléter un autre regroupement. Donc là, c'est très important. Lui, il est adjacent à lui, donc je peux les regrouper ensemble. Même si lui fait déjà partie de ce groupe, fait que je vais regrouper ici. Et quand je regarde lui tout seul, il touche, il n'y a rien ici. Cette case est vide, fait que je ne peux pas faire de regroupement ici. Et puis cette case également est vide. Donc je ne peux pas faire de regroupement. Donc si je regarde ici mon résultat ici, donc je vais avoir un premier regroupement ici de 2. Ensuite, je vais avoir un deuxième regroupement ici de 2. Et puis ce 1-là, je vais le regrouper tout seul, parce qu'il n'y a aucun aucune case adjacente à elle ne possède de 1. Donc je peux la regrouper tout seul, évidemment, parce que je ne peux pas laisser un 1 sans regroupement. Fait que je peux le faire. Donc là je fais ça et puis si je regarde ici, donc ça ici c'est un exemple très intéressant. Donc naturellement si je regarde ici, oh j'ai un premier un, rapidement là, j'ai ce premier groupe de deux qui me vient en tête, évidemment. J'ai là, je regroupe mes deux. Là également aussi je fais mon regroupement de deux. Mais très important ici, donc il va me rester, il va me rester celui-là et puis celui-là. Mais très important, on a parlé de contiguïté des rangs ici. Donc n'oubliez pas, ces cases ici se retournent sur elles-mêmes. Donc ces deux ici touchent à ces deux ici et puis celle-là ici touche à celle ici Donc évidemment, le gros maximum, en fait, même, c'est très important. La règle de le premier réflexe, c'est quel est le maximum de 1 que je peux avoir. Donc si je reviens peut-être sur cet exemple ici, je regarde, donc la question que je me pose, c'est quel est le maximum de regroupement que je peux faire avec des 1 ici. Mais comme on a dit que ces deux cases ici se touchent avec ces deux cases ici, parce que tout est refermé sur, sur soi-même ici. Donc, je le vois ici que je peux faire un maximum de 4. Donc, je peux prendre ces deux ici, ensuite les regrouper avec ces deux ici. Donc, ça va me donner déjà un groupement de 4 ici. Ensuite, je vais avoir lui qui va être tout seul donc je vais prendre toujours la loi du maximum je vais prendre ce 1 ici que je vais rajouter avec lui ici malgré le fait que lui il soit déjà il soit déjà dans la case à 4 ici donc ensuite je vais faire le même un autre regroupement ici avec ce 1 qui se retrouve avec lui malgré le fait que lui il appartient déjà à la case la grande case de 4 ici donc voilà comment je me retrouve donc avec ce regroupement ici donc si je vais au, au tableau suivant mais ici tout naturellement donc je me pose la question c'est toujours le maximum donc je peux faire ces quatre ici ensuite il va me rester deux ici mais deux que je peux combiner à ces quatre ici parce que ces quatre ici se touchent que je peux faire ce regroupement ici Et ensuite il va me rester ces deux là je vais le faire et là encore très 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 un peu plus intéressant ici donc, c'est quoi le maximum que je peux faire ici? Mais je peux faire un regroupement de 8 ici. Pourquoi? Parce qu'on a dit encore, ces quatre cases-là, dans le fond, se retournent sur ces cases ici. Donc, ces quatre cases ici touchent à ces cases et sont toutes remplies. Donc, je peux prendre un regroupement de 4 ici, mélanger avec ces quatre ici, ça va me faire un regroupement de 8. Ensuite. Je vais prendre tout naturellement ces deux qui sont restés tout seuls, auxquels je vais rajouter ces deux, malgré le fait qu'ils soient déjà pris, qui vont faire un regroupement de quatre, parce que, n'oubliez pas, le réflexe c'est toujours d'aller chercher le maximum qu'on peut. Donc, ensuite, ici, j'ai ce un ici qui resterait tout seul, mais je viendrai tout naturellement l'associer avec l'autre qui est déjà pris ici. Donc, ceci va mettre un terme à cette deuxième vidéo. Et. Euh, la suite viendra dans la prochaine. Merci.